Écoute, oui, voilà. Quand tu regagnes des matchs et que tu commences une nouvelle série, même si c'est des compétitions différentes, mais ça donne toujours de la confiance. Ouais. Voilà, ils ont l'air d'avoir bien récupéré ce matin. C'est voilà, non, les joueurs étaient bien ce matin. Après, on a fait une séance légère, mais c'est 2 jours après le match déjà. Et là, déjà la veille du match. Alors. Bon, ils avaient l'air d'être bien. Ça peut y faire, mais après, il y a des fois, ça c'est dans ton sens aussi, quoi. Mais après, c'est comme ça. Hein. C'est calendrier, il est fait. Je sais pas quand c'est qu'il joue en Coupe d'Europe, Lyon. Ah non, ils sont pas à Lyon, je suis bête, c'est. Pardon, excusez-moi, c'est Lille. Complètement à la ramasse. C'est un tac, les gens qui vont glisser Ouais. Non, du tout. Non, non, je pensais qu'ils étaient qualifiés encore, pardon. Non, c'est la neige aujourd'hui, surtout sur Lyon. Demain, je pense que. Je pense pas qu'ils ont pas annoncé de neige demain, hein. C'est surtout aujourd'hui. Ouais. Des températures négatives. Ah oui, la température sera fraîche à 21 h en plus. On va être entre 0 et moins 5, moins 6. Hein. Ça c'est sûr. Mais on a eu ces conditions-là déjà il y a 3 jours en arrière. Hein. Ouais, c'était compliqué pour les deux équipes. Hein. Le terrain était mauvais. La surface du terrain n'était pas bonne. Après le froid, oui. Les joueurs sont bien adaptés. Ouais. Mais ils ont fait le match qu'il fallait. Ouais. Ils ont donné des réponses positives au coach. Hein. Après, c'est ce qu'on attend des joueurs qui sont remplaçants et qu'on fait appel à eux. C'est toujours pareil. Hein. On est un groupe. Quand on a des réponses positives, on est content. Ben oui, mais après, c'est toujours pareil. Hein, il y en a qui reviennent de blessures, il y en a qui jouaient pas beaucoup du tout. Il y a des cas différents. Hein. Ah, mais ben, oui, quand tu joues tous les 3 jours, voilà, c'est bien d'avoir tout le monde à disposition et des joueurs qui retrouvent la forme et qui sont compétitifs. Hein, c'est plus agréable de jouer avec des joueurs qui sont dans le bon tempo et ils sont en capacité d'être performants. Il a fait pas mal de matchs. Voilà, les temps de jeu se sont augmentés et puis le rythme, il a un bon rythme de croisière maintenant. Ouais. Bah, c'est une équipe qui est bien armée dans tous les secteurs. Hein. Ils ont des joueurs de grande qualité. Voilà, aujourd'hui, je dis pas qu'ils volent au-dessus du championnat, mais c'est une équipe qui est bien armée, qui joue très très bien, qui gagne pratiquement tous ses matchs. Voilà, il y a de la qualité à tous les postes. C'est une équipe qui va très vite. Fait circuler le ballon très vite. Voilà, ils ont de la vitesse devant, ils ont des joueurs très techniques au milieu de terrain, qui sont capables d'éliminer, de donner des bons ballons. Voilà, ils jouent le titre en plus, hein, ils sont très motivés. Mais on n'y va pas en perdant, hein, on y va pour leur poser des problèmes et ramener des points là-bas. Hein. On va essayer d'être solide, et de leur poser des problèmes quand on a le ballon, parce qu'il va falloir qu'on les fasse courir aussi, qu'ils soient en capacité de les faire courir aussi. On a des arguments aussi à faire valoir aussi. Ouais, même si ils avaient une dynamique différente en début de saison, il y avait des joueurs qui avaient la tête à vouloir partir, que ce soit Aouar, que ce soit Depay. Voilà, ils n'étaient pas dans les mêmes conditions qu'aujourd'hui. Aujourd'hui, ils sont. C'est une équipe qui est première ou deuxième. Non.
deuxième derrière Lille. Voilà, mais qui joue le titre. C'est une équipe très dangereuse et qui a faim. Voilà, ben à nous de faire un gros match et de jouer en équipe pour leur faire mal aussi. Non, il faut bien défendre. Quand tu n'as pas le ballon, il va falloir bien défendre parce qu'ils ont des schémas de circulation de balles qui vont vite, ça se déplace très bien. Voilà, ils ont les latéraux qui montent beaucoup, qui apportent beaucoup. C'est une machine qui fonctionne bien actuellement. Il va falloir, bien sûr, quand on n'a pas le ballon, il va falloir bien défendre. Et quand on va l'avoir, il va falloir leur poser des problèmes aussi, parce qu'il va falloir qu'on soit en capacité de les faire courir aussi et de les faire défendre aussi. Ah oui, ouais, ils ont la capacité à. D'ailleurs, ils ont gagné contre Paris. Ils sont en capacité de, à tout moment, de scorer et à travers les actions individuelles, parce qu'ils ont des joueurs de talent, et pas à travers leur collectif aussi. Ils sont très, très très bons. De mon équipe, déjà on s'entraîne pas beaucoup, on joue tous les trois jours, là, c'est compliqué, on fait beaucoup de récup. Mais oui, non, mais après, comme je t'ai dit, quand tu recommences à gagner, les sourires reviennent, la confiance revient. Mais après, il faut rester toujours vigilant, il faut être toujours à chaque match, il faut tout remettre les compteurs à zéro et remettre les bons ingrédients pour être bon sur le terrain. C'est pas la première fois, il a dû. Il n'avait pas joué avec Nîmes. Ouais, écoute. Est-ce que c'est quelque chose qu'il faut gérer mentalement Je sais pas comment il va l'aborder. C'est lui comment il va se préparer son match. Et j'espère qu'il va bien l'aborder, surtout.